Concernant les questions d'actualité mensuelles réalisées en partenariat avec l'Institut Montaigne, nous avons ce mois-ci interrogé les Français sur la perspective de l'élection présidentielle. Nous sommes à 17 jours du scrutin et donc nous leur avons tout d'abord demandé qu'est-ce qui compterait le plus dans leur choix au moment de voter. Et ce qui ressort des réponses des Français, c'est que pour 68% d'entre eux, c'est d'abord le projet du candidat dans son ensemble qui comptera le plus dans leur choix au moment du vote. Davantage, nettement davantage d'ailleurs que sa personnalité, cet item n'étant cité que par 34% des personnes interrogées. Toujours dans cette optique de l'élection présidentielle, nous avons ensuite demandé aux personnes interrogées d'arbitrer entre les 11 candidats sur une série de domaines, puisque nous leur avons demandé à qui est-ce qu'ils feraient le plus confiance, notamment pour assurer les conditions favorables à une économie dynamique et à la création d'emplois, ou encore pour réduire les inégalités, ou pour faire entendre la voix de la France en Europe et à l'international. Et ce qui ressort des 5 dimensions, des 5 sujets sur lesquels nous avons invité notre échantillon de Français à arbitrer, eh bien c'est que Emmanuel Macron arrive en tête sur les thématiques économiques. C'est à lui que l'on fait le plus confiance, avec 28% de citations, donc en première position devant Marine Le Pen qui est à 20%, tandis que Jean-Luc Mélenchon est à 18% et François Fillon à 15%. Emmanuel Macron l'emporte aussi sur un item qui relève beaucoup de la présidentialité, à savoir faire entendre la voix de la France en Europe et à l'international, puisqu'il arrive là aussi en tête avec 24% devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, François Fillon étant à nouveau en troisième position. Et puis enfin, Emmanuel Macron l'emporte également sur l'amélioration du système éducatif de l'école à l'université, avec 24% des réponses, Jean-Luc Mélenchon étant deuxième, avec 18% des réponses. Sur les deux autres dimensions sur lesquelles Emmanuel Macron n'arrive pas en tête, il s'agit notamment de la réduction des inégalités. Là, sur ce sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive très nettement en tête avec 27% des réponses contre Marine Le Pen, 20%, Emmanuel Macron étant troisième à 17%. Et puis enfin, sur les questions de sécurité, dont on sait que les Français y accordent une importance assez élevée aujourd'hui compte tenu du contexte de menaces terroristes, eh bien sur cette question, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête des choix exprimés par les Français, puisque 29% des personnes interrogées la désignent comme le candidat auquel il ferait le plus confiance pour garantir la sécurité des Français s'il était élu président de la République, contre 20% pour Emmanuel Macron et 17% pour François Fillon. Ce qui marque, ce que l'on retient aussi de façon transversale par rapport aux réponses des Français par rapport à tous ces thèmes, c'est l'extrême faiblesse des représentants des partis traditionnels de gouvernement, les Républicains et le Parti Socialiste, qui ont joué l'alternance pendant une trentaine d'années maintenant aux responsabilités nationales et dont les représentants arrivent finalement au mieux en quatrième ou cinquième position, devancés par les candidatures anti-système ou en tout cas celles qui incarnent une forme de protestation qui ne sont pas issues de ces partis de gouvernement traditionnels, à savoir Emmanuel Macron d'abord, Marine Le Pen aussi et Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui captent une bonne partie des réponses. Et d'ailleurs, ceci est en adéquation d'une certaine façon avec les dynamiques que nous relevons depuis maintenant quelques semaines dans la perspective de l'élection présidentielle, même si l'issue du scrutin reste toujours très incertaine aujourd'hui.